service municipal des sports, fait son cirque. Pendant les vacances, des stages de découverte ou de perfectionnement sont organisés pour les enfants et adolescents dès 6 ans. Cette semaine, on fait un stage sur la première semaine des vacances de février avec des enfants qui ont déjà fait du cirque. Le mercredi après-midi, ils sont donc ici. Alors les objectifs, elles sont simples. C'est déjà de l'initiation pour ceux qu'on n'a jamais fait. C'est déjà de les initier, comme on a pu le voir juste avant, surtout à la jonglerie. Début de la matinée par la mise en place des agrès et du matériel par les enfants eux-mêmes. L'idée, c'est aussi d'acquérir de l'autonomie. Ils sont répartis dans les ateliers, c'est au choix. Donc ils essayent de rester un minimum de temps pour essayer de progresser, on leur donne des conseils. Et il y a beaucoup d'autonomie, le fait qu'ils circulent dans les ateliers. Donc ça permet de les rendre responsables des uns des autres, au niveau sécurité également. J'avais fait un peu de cirque avant et je me suis dit aussi que j'allais tester un nouveau cirque. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de la boule et il y a des trucs qu'il n'y avait pas au cirque d'avant. Puis après l'échauffement, chacun sa discipline, jonglage, monocycle, fil d'Ariane ou boule d'équilibre. Un seul mot d'ordre, l'entraide. Nous avons une relation très surprenante parce qu'il y a une entraide. Que ce soit les petits ou les grands, il y a toujours des petits conseils en disant oh, « Regarde l'erreur que tu as faite, si tu te mets de telle position, tu vas y arriver. » Donc il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de regard négatif, c'est que positif. Dans mon groupe, c'est bien. Parce qu'il y a plusieurs petits, donc ils sont minces pour les porter quand on fait des pyramides humaines. J'aime bien parce qu'on fait le cirque le matin et d'autres choses l'après-midi. Le midi, chacun apporte sa nourriture pour un repas collectif partagé. Ça dure 5 jours. Le matin, nous faisons du cirque et l'après-midi, nous faisons d'autres activités. Donc on a été au cinéma, on a fait du badminton, on a fait le gymnase ouvert et on ira faire de l'escalade. Cette semaine, d'autres stages sont organisés à la journée ou à la demi-journée. Tous les renseignements sur www.nanterre.fr. Rodrigue Sport.